Oui, bonsoir. Donc, comme tous les présidents, ça préside et ça dit les mots de bienvenue et l'introduction. Donc, je ne vais pas sortir de ce rôle-là pour remercier d'abord le pavillon de l'Arsenal et toute l'équipe du pavillon d'accueillir ce débat sur le logement. Mais on va voir, ce n'est pas un débat sur le logement, c'est un débat sur la ville, c'est un débat sur le Grand Paris. On va sortir le titre et volontairement, mais je pense que Mireille va venir, et volontairement provocateur. Bien évidemment, pour l'IGP, il s'agit pour les équipes du Conseil scientifique de l'IGP, il est hors de question de segmenter la réflexion et on n'est pas là autour d'un débat sur le simple fait de savoir si oui ou non on va pouvoir construire 70 000 logements par an pendant les 20 ans qui viennent et que c'est un débat beaucoup plus profond qu'on souhaite. Alors quelqu'un m'a dit juste avant de commencer, est-ce que ça va être réussi ce débat ? Eh bien, ça dépend bien sûr des intervenants, je pense qu'on a choisi les plus percutants sur la question. Et donc on va découvrir un petit peu cette approche que les équipes de la IGP produisent depuis des années sur le Grand Paris. Et puis juste un mot plus personnel, pas au titre de président de la IGP, mais le Grand Paris, on entend beaucoup parler, le Grand Paris des transports avec le métro automatique, le Grand Paris du logement, le Grand Paris du développement économique, Grand Paris institutionnel qui est en cours de finalisation par le Parlement. Mais tout ça, ça ne fait pas un projet, à mon sens. Ça ne donne pas du sens. Ça ne fait pas, en tout cas, ça ne fait pas rêver beaucoup. Et ça, surtout, ça ne sollicite pas la mobilisation citoyenne. Donc je pense que le moment est venu, historiquement, si je peux me permettre ce mot-là, le moment est venu de travailler à ce que j'appellerais un ensemblier, c'est-à-dire à quelque chose qui porte le projet du Grand Paris, qui dise enfin le sens que l'on veut donner à ce Grand Paris, le sens, les valeurs qu'il est censé développer, qu'il est censé porter. Et donc, je crois qu'une question vive comme la nôtre ce soir contribue à la réflexion autour de cette question-là, qui devra prendre une forme. On verra qui prend l'initiative et sous quelle forme ça peut se développer dans les mois qui viennent. Mais je pense personnellement qu'il y a une urgence à développer cette question-là, à dire quel doit être le projet du Grand Paris et urgence à ce que les citoyens s'en emparent et deviennent des acteurs de ce projet qui doit être enthousiasmant et égalitaire. Voilà, bonne soirée. Merci beaucoup. Question vive, c'est un titre un peu particulier pour des débats publics qui scandent la production cette année de l'Atelier international du Grand Paris et de son conseil scientifique. Question vive, ça veut dire que sur les éléments les plus saillants des réflexions que nous souhaitons mener et que nous menons régulièrement dans des séminaires qui associent à la fois les équipes du conseil scientifique et un certain nombre d'experts que nous identifions aussi bien dans la sphère académique que dans celle des professionnels, ces séminaires doivent permettre de porter à la connaissance des habitants de ce Grand Paris en construction les éléments du débat, de façon à ce que chacun puisse comprendre un peu mieux les questions qui se posent, intervenir dans leur résolution ou leur formulation, et ensuite l'idée se situer pour agir, c'est de bien comprendre effectivement ce qui est en train de se jouer et dont Pierre vient de rappeler à quel point nous souhaitons que l'ambition monte à chaque fois sur cette promesse que l'on pourrait faire à des habitants d'une métropole qui sont aujourd'hui en attente. Donc autour de ces questions-là, nous avons choisi de débattre avec à chaque fois une formule qui nous associe d'abord à un lieu. Et c'est l'occasion de renouveler là les remerciements au pavillon de l'Arsenal et tout particulièrement à Alexandre Labasse et à son équipe de nous accueillir et de prendre le risque, puisqu'il paraît que c'est toujours un peu un risque d'accueillir la IGP, donc d'accueillir ce débat. Nous l'avons fait précédemment au musée de l'immigration à la Porte Dorée, nous l'avons fait également dans la maison de l'architecture au Récollet. Donc des partenariats, des occasions de rencontrer des publics divers et de faire progresser une certaine culture commune.
Le titre de ce soir, effectivement, est un peu provocateur. 70 000 logements, c'est tout. Il vient après un séminaire qui s'est tenu le 6 mars dernier, qui portait sur la question de l'innovation architecturale et urbaine et de la solution que cela, à travers l'innovation, l'invention, peut apporter à une question du logement qui apparaît souvent comme quantitative. 70 000 logements, c'est tout. Le « c'est tout » peut évidemment, comme chacun le lit dans un premier temps, se rapporter aux chiffres. Si vous vous souvenez bien, il y a longtemps, quelques années, on avait dit 60 000 logements, est arrivée la loi Grand Paris qui a dit 70 000 logements. Alors finalement, 70 000 logements, c'est tout. Pourquoi pas beaucoup plus l'année prochaine. Mais au-delà de ce petit clin d'œil sur le nombre, c'est surtout dire c'est tout. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut limiter la question à une approche quantitative ? C'est tout ? Ça n'est que du logement ? Ou bien nous devons être attentifs, et c'est certainement le rôle premier de l'Atelier international du Grand Paris, attentifs à ce que cette volonté de produire beaucoup et très vite ne nous laisse pas oublier au passage l'articulation nécessaire avec tout ce qui fait la ville, la mobilité, l'agrément des espaces publics, la place du vivant dans la ville, et puis finalement toutes les problématiques sociales que nous abordons cette année dans un programme très ouvert. Et je vais finir en disant quelques mots de ce programme, le rendez-vous de la métropole et du climat. Nous avons voulu inscrire, c'est l'année, mais ça n'est pas que parce que c'est l'année de la COP, c'est parce que c'est une évidence et une nécessité, nous avons voulu inscrire ce programme de réflexion sur le fait métropolitain à la conjonction de la réflexion sur l'adaptation au dérèglement climatique. L'adaptation au dérèglement climatique, ce n'est pas que les politiques nouvelles qui viennent immédiatement à l'esprit, pour ceux qui ont un peu suivi les questions, en particulier la question de la transition énergétique ou la question de la résilience, mais c'est aussi une façon de réinterroger toutes les politiques publiques. Et on le dit, on le répète, on le répétera encore, il est encore plus douloureux de vouloir changer des habitudes anciennes que d'en adopter de nouvelles. Donc, raisonner transition énergétique, ça demande un peu d'effort, mais on y arrive. Penser la résilience urbaine, ça demande encore plus d'effort parce que c'est moins connu, mais on va y arriver. Accepter de réinterroger toutes les politiques de logement, de mobilité, économique, toutes les questions sociales, la question des migrations, le regard sur la mondialisation au regard de ce nouvel enjeu, c'est peut-être difficile, mais c'est ce à quoi nous nous sommes attachés. Évidemment, au cœur de tout ça, il y a la vie quotidienne. La vie quotidienne, elle est scandée par des questions extrêmement précises. La plus importante d'entre elles dans notre région, c'est peut-être celle qui tourne autour du logement, d'où ces débats publics et ces interrogations un peu provocatrices. Pour en débattre ce soir, donc Jean-Louis Violeau, qui est un spécialiste, un chercheur, sociologue, d'un laboratoire ACS qui travaille sur toute cette recherche sur les modes de vie, mais qui s'est aussi pas mal spécialisé sur un peu la question des utopies, puisque je crois que dans des productions récentes, il y a eu l'interrogation d'abord sur la façon dont les situationnistes, dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, c'est peut-être dommage, s'étaient intéressés à la question du logement, et puis aussi après sur la question dont certaines utopies, en particulier autour de 68, je crois, et les années 70, ont aussi abordé cette question du logement. Mais je crois que vous l'expliquerez bien mieux que moi en disant comment, dans une perspective franchement politique, cette question du logement est fondamentale. Michel Attard est responsable d'une société d'habitat social, Toi et Joie, voilà. Toi et Joie, et elle viendra non seulement en tant que membre associé à une des équipes du conseil scientifique, mais aussi en tant que représentante aussi de ce monde finalement de la pratique quotidienne des questions de logement. Monique Eleb est représentante du conseil scientifique, puisque membre de l'équipe MVRDV, comme Michel Attard d'ailleurs, enfin ce groupement, mais elle a depuis longtemps un regard très affûté à la fois sur le Grand Paris et globalement sur les organisations urbaines et sur la question du logement. Et Béatrice Rameau a un regard tout à fait particulier. Béatrice nous vient à la fois d'Espagne et des Pays-Bas. Elle est représentante, elle est l'équipe star
sans jeu de mots, l'équipe STAR du Conseil scientifique, STAR c'est le nom de leur groupement, et elle regarde les questions de logement d'une manière un peu nouvelle, en disant après tout on a appris ce qui paraissait impensable il y a 10 ou 20 ans à partager une voiture, pourquoi n'apprendrions-nous pas la co-résidence, c'est-à-dire à partager l'intime et le logement. Ils vont vous donner leur regard et nous aurons ensuite un temps de débat avec vous et d'échange. Merci. Merci. Donc c'est ce micro-là, pas celui-ci. D'accord. Oui, alors vous avez en effet mis le doigt sur une question qui nous concerne tous, puisque l'homme est un animal utopique. Et donc il fait des projets, et il fait des projets même jusqu'à la mort, et souvent quand il n'en fait plus, c'est que celle-ci est très proche. Et y a en effet une sorte d'insatisfaction vitale par rapport au présent, et une inquiétude constitutive par rapport à l'avenir, qui explique pour une bonne part le succès ces dernières années, et on l'a vu très nettement, notamment depuis le lancement du Grand Paris de Nicolas Sarkozy. On l'a vu donc en 2008 avec cette consultation. On l'a vu avec un regain, en effet, des consultations dites de prospective, Reims, Nantes, Montpellier, La Roche-sur-Yon même, 2030-2040. On a très bien vu qu'à travers ces consultations, il y avait un regain d'intérêt très fort pour la prospective, et ce regain a donné aux architectes une audience politique qu'ils avaient peut-être perdue sous d'autres aspects. Et c'est grâce à ces... je l'ai vu comme ça, grâce en effet à ces consultations, et ce qu'on disait par exemple Pierre Mansa pour ouvrir ces débats, que les architectes ont pu conquérir une nouvelle audience. On l'a vu aussi à travers le succès de l'Expo à l'époque, le succès du catalogue. Évidemment, il s'est mieux vendu que les 25 médiathèques aux éditions du Moniteur ou 15 EHPAD. On a très bien vu que cet ouvrage avait suscité beaucoup d'intérêt. Mais le problème, c'est que, et moi j'ai observé ces choses-là de l'extérieur, mais après tout c'est ma raison sociale, je suis payé pour ça, j'ai eu l'impression de voir ces équipes un peu comme le client d'un grand restaurant. C'est-à-dire qu'il arrive dans le restaurant, on s'affaire autour de lui, on s'empresse, on l'accueille, le repas s'achève bientôt, et là, s'il ne cède pas très vite sa place à un nouveau venu, à d'autres acteurs, on lui fait comprendre, parfois avec un regard appuyé, qu'il faut un peu laisser la place. D'une certaine manière, j'ai vu la consultation et le rôle des architectes dans cette consultation rejoindre un peu ce client du grand restaurant. Il n'en reste pas moins que l'AIGP s'est mis en place, que les équipes ont continué à travailler, mais malheureusement, probablement pas avec le même écho médiatique qu'ils avaient pu susciter lors de la consultation initiale. Alors ça pose tout un tas de questions par rapport à la manière de produire la ville, par rapport à l'insertion de l'architecte dans ces débats, par rapport justement à cette question de la prospective. Et cette question de la prospective, je vais passer juste ma première image, il n'y en aura qu'une, mais voilà. C'est un dessin qui date d'il y a 2 ans exactement, qui était paru dans Le Monde le 5 mars 2013. Et je pense que ça résume un peu le problème face auquel on se trouve dans cette succession des événements, entre la première consultation des architectes, le projet de grand métro qui en a résulté, et cette question du logement qui en fait est la question pendante, qui pend au nez des acteurs de ce projet depuis lors. Et on le voit très bien... à travers les 70 000, en effet, agités un peu comme un slogan, un peu comme des jeux télévisés peuvent dire le million, le million, le million. Les 70 000, évidemment, quand on regarde les chiffres depuis 1991, en Ile-de-France, c'est 40 000 par an, bon an, mal an. Depuis la dernière crise immobilière. Et donc les 70 000, on aura certainement énormément de mal, malheureusement, à les atteindre. Donc, pourquoi ? Ben parce que, finalement, 91, c'était la dernière crise. Et je dirais que le logement ne sort rarement sans la crise. Malheureusement, c'est un couple intemporel. Et en même temps, depuis cette succession d'événements, puisque la dernière crise immobilière, finalement, c'est la dernière en date importante, c'est 2008, et c'est aussi le lancement de la consultation du Grand Paris. On peut voir aussi une sorte de coïncidence, hein, des dates à travers ça. Alors, la crise, on peut la définir comme... un élément qui renferme toujours une signification plus grande qu'elle-même. Elle a des effets idéologiques, des effets sur les subjectivités, sur les manières de voir le monde.
qui dépasse le simple contenu économique. Et il semble assez évident qu'on n'ait pas pris tout à fait encore la mesure de cette crise de 2008, hein. Et avec ce paradoxe qui fait que nous vivons quand même depuis 7 ans sous la crise. Bon, quand on a la grippe, on guérit. Qui dit crise dit guérison. Donc c'est probablement pas une crise, c'est probablement autre chose. Sinon, il faudrait l'appeler autrement. Même si je pense que dans cette salle, même les années passantes, nous sommes tous des enfants de la crise. Donc ça pose beaucoup de questions latérales sur cette notion-là. Mais il n'empêche que la crise, on peut la voir aussi comme un instrument de gouvernance et comme un instrument de rationalisation des politiques et des conduites. Et la crise, elle cherche toujours, d'une manière ou d'une autre, quand elle est invoquée, à imposer sa raison supérieure aux conduites et aux stratégies des acteurs. Alors, si on redescend d'un cran vers la question du logement, qui dit crise, j'y reviens, dirait normalement sortie de crise. Le problème, c'est que, en effet, les Français n'achètent pas ou trop peu de logements neufs. Et finalement, c'est la question qu'il faut se poser. Il y a certes un déficit de logement, mais il y a peut-être une question de l'offre qui n'est pas la bonne. Et elle est rarement posée sous cet angle-là, la question. Pourtant, il y a eu énormément de mesures, hein, on les connaît, le choc foncier, tout un tas de dispositifs qui vont être engagés ou qui sont esquissés par vos structures autour de cette question du foncier. On connaît les plans relatifs à une éventuelle simplification des normes, qui a aussi été évoquée ces dernières années. Et puis, les dispositifs de relance de la demande, à travers les différentes aides fiscales aux ménages. Mais les indices et finalement les résultats sont toujours aussi accablants. Donc c'est là où une nouvelle interrogation est sans doute nécessaire. La relance tarde à venir, elle ne vient pas en fait. Et les Français, ce sont les enquêtes qui le disent, n'achètent pas de logement parce que c'est trop cher. Alors c'est vrai que c'est toujours la même explication et que le logement français est un des plus chers d'Europe au prorata des revenus des ménages. Mais les taux d'intérêt sont au plus bas, n'est-ce pas? Donc on pourrait penser qu'un nouveau départ serait possible. Et la demande, vous l'avez dit, est très forte. Donc c'est aussi une équation qui rentre dans le en jeu. Mais pourtant, la demande de toit en France est estimée pour l'année 2013 est estimée à 800 000. Et seulement 280 000 logements avaient été mis en chantier, mais souvent en vain. Et là, c'est encore une question qu'il faut se poser, puisque dans ces 280 000, tous n'ont pas trouvé preneur, et on estime à 100 000 logements en France, construits ou sur plan, 100 000 logements demeuraient invendus. Donc il y a une crise de l'offre dans ce cas-là. Il faut inverser les perspectives. Et ce qui était marquant à la fin de l'année 2013, c'est que les achats repartaient dans l'ancien, mais continuaient à baisser dans le neuf. Donc il y a aussi une crise de l'offre neuve de logements qui se pose. On observe une timide reprise hein, ces derniers mois, on l'a vu, mais c'est surtout sur la maison individuelle que ça s'est manifesté en premier lieu. Et le nombre de mises en chantier n'augmente pas. Et je lisais, c'était il y a deux jours dans Le Monde, un article sur le BTP, moins 20% d'activité depuis 2008 en année cumulée. Et autant d'emplois, évidemment, qui s'échappent. Donc on parle toujours du prix du logement, mais on parle rarement de sa valeur. Et ça, c'est la question. La valeur, j'entends par là, le fonctionnement, l'espace, la lumière, le confort, la modernité des dispositifs. Est-ce que ça correspond bien, finalement, aux attentes des acheteurs potentiels? Ça, c'est une question qui est rarement évoquée dans les 70 000 logements. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'adéquation? Et il y a toujours cette plainte lancinante des opérateurs qui se plaignent du manque d'acheteurs. Mais Renault, quand Renault a fait un four avec l'Avantime, il ne s'est pas plaint du manque d'acheteurs. Il a ramassé sa voiture et il est parti en catimini. Coca-Cola, quand il a sorti le New Coke, personne n'en voulait, il l'a remballé. Bic, quand Bic a fait des parfums, ça n'a pas marché, ben voilà, ils ont remballé les parfums. Mais c'est comme si on continuait, nous, à faire du logement comme on l'a fait et qui ne trouve pas suffisamment preneur. Alors on peut s'interroger pourquoi. Il y a peut-être eu une période dorée, finalement. Il y a eu un demi-siècle d'or, hein,
des catastrophes, la reconstruction, mais aussi des changements sociétaux, la recomposition, décomposition, recomposition des familles, la fertilité des ménages, la multiplication des familles monoparentales, tout ça a peut-être assuré une sorte de rente de situation aux opérateurs du marché immobilier, qui se sont peut-être pas assez remis en cause sur les produits qu'ils proposaient aux Français. Ça me rappelle un exemple que citait un expert de la question dans les colonnes du Monde à l'automne dernier, où il comparait le logement à une 4L. Il disait, voilà, le logement aujourd'hui, c'est un peu comme si on avait gardé la 4L, et qu'on avait clipsé dessus tout un tas de dispositifs techniques, vaille que vaille, et qu'on avait mis dessus des dispositifs thermiques qui encadrent la 4L, qui la débordent. Et puis, on a trouvé un mec qui s'appelle l'architecte pour dire « dessinez-moi tout ça, mettez-moi tout ça en forme, mais il reste que c'est toujours un châssis de 4L. » Alors qu'évidemment, on ne roule plus dans des 4L. Donc, c'est peut-être bien une des questions qui s'adresse, enfin, qui va être débattue, évoquée ce soir, et j'espère avec vous, sur la métaphore de cette 4L, cet objet transactionnel. Donc on peut... transactionnel aussi. J'ai hésité entre les deux, je me suis dit que finalement c'était aussi une transaction. Donc cet empilement pose question. On peut se demander, est-ce que les ménages ne sont pas solvables? Mais on s'aperçoit que l'épargne, elle existe toujours, et qu'elle a même tendance à augmenter dans certaines catégories de la population, pas toutes évidemment, les inégalités se creusent, mais il y a toujours une épargne en France. Donc il y a des possibilités d'achat. Et puis on s'aperçoit que certains placements financiers n'ont jamais aussi bien marché, je pense aux assurances-vie. Donc voilà, est-ce que finalement on n'arrive pas à une question de l'offre décalée et entretenue en tant que telle par toute une série de dispositifs financiers et fiscaux depuis maintenant 30 ans qui subventionnent en alimentant la dette publique, comme tout un tas d'autres dispositifs d'aide à la production, quels qu'ils soient, mais en tout cas pour le logement c'est très prégnant, et ce sont d'énormes sommes qui sont dépensées depuis 30 ans à aider une industrie qui a donné quand même quelques signes de faiblesse dans sa réponse à la demande. Voilà, donc comment imaginer une relance sensible et non technico-financière? C'est-à-dire, comment imaginer un promoteur qui réussirait, remplirait cette mission, un promoteur public ou privé, hein, aussi bien qu'Apple par exemple. Voilà. Je ne sais plus moi non plus. Merci beaucoup. Je ne sais pas si va marcher ou pas. Je crois que c'était lumineux, et l'histoire de la 4L va peut-être nous accompagner, parce que justement elle est bien au cœur aussi de la question posée. Non seulement 70 000 logements c'est tout par rapport à tout ce qui doit faire de la ville et non pas des silos techniques, mais aussi parce que la question de l'innovation architecturale et urbaine est peut-être une manière de répondre à beaucoup des questions que vous avez abordées. Est-ce que l'innovation, c'est quelque chose qui, dans les sociétés de logement social, est une préoccupation? Évidemment, on vous confronte à la nécessité de produire beaucoup, parce qu'on connaît la liste d'attente. Mais cette possibilité de changer de modèle, et y compris d'aller vers des formes de logement plus innovantes, j'imagine qu'elle vous traverse aussi. De la même façon que quand on voit le titre « Toi et joie », je pense qu'il y a bien d'autres préoccupations que le quantitatif qui se laisse entendre derrière cet appel. Monique, j'ai demandé à Michel justement de nous parler du substrat sur lequel on peut réfléchir par rapport au logement, c'est-à-dire aux caractéristiques plutôt quantitatives. C'est-à-dire à la sociopolitique du logement. Elle va parler d'abord de la sociopolitique du logement et on reviendra ensuite sur la notion de qualité. Merci. Oui, on m'a demandé de parler aussi de chiffres. Et en tant que propriétaire d'une 4L que j'aime énormément et qui est pour moi un objet transitionnel, je crois qu'il est important de se pencher sur quelques chiffres avant de parler de l'innovation qui n'est cependant pas du tout exclusive.
En Ile-de-France, on peut pas répondre à la question, soit 70 000 logements, c'est tout, sans faire un constat de ce qui existe et partager un certain nombre de chiffres. La crise du logement en Ile-de-France et même sur un certain nombre de métropoles françaises, elle date pas de 2008. Ou alors la crise, c'est un état latent pour le logement depuis pratiquement l'après-guerre. On ne sort pas de cette crise du logement. Et si on n'est pas d'accord sur un certain nombre de chiffres et sur un certain nombre d'analyses démographiques, on reste dans la crise du logement. Parce que si on a justement une crise du logement aujourd'hui, c'est parce qu'on a sous-estimé les besoins en logement de la France. Et je pense qu'une grosse partie de la sous-estimation, et ça avait été largement démontré dans un rapport du Conseil économique et social, c'est de sous-estimer le flux migratoire et les besoins que ça engendre. Donc au moment où on a commencé à travailler sur le Grand Paris, il y avait une demande non satisfaite de 390 000 logements. Elle serait de 576 000 en 2014. Si on compte 2 personnes par ménage, on compte 1 million de personnes qui attendent un logement social, alors que l'offre elle est de 80 000 logements par an. Donc la demande non satisfaite, c'est pratiquement 7 fois l'offre annuelle de logement. La ville de Paris, au centre de la métropole, concentre à elle seule une file d'attente de 170 000 logements. Les sorties du parc social, et ça explique ce chiffre de 80 000 logements, sont extrêmement peu nombreuses, avec un taux de 4 à 6%. Et je ne vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais un taux de rotation de 4 à 6%, ça veut dire que les gens qui sortent du parc social, avant, ils allaient vers l'accession à la propriété et ils n'y vont plus. Et je ne partage pas l'idée qu'ils n'y vont plus parce qu'il n'y a pas d'offre. Ils n'y vont plus parce qu'il y a aussi, en tout cas pour ce qui concerne le parc social, un blocage complet de l'ascenseur social qui permettait d'en sortir et d'accéder à la propriété. Alors, qui sont ces demandeurs ? 30% des demandeurs sont déjà logés en HLM. Donc, ils demandent une mutation et un parcours professionnel à l'intérieur du mouvement HLM, du logement HLM. 46% des demandeurs ont des revenus compris entre 0 et 1500 euros. On n'accède pas avec des revenus entre 0 et 1500 euros en Ile-de-France, même si on vous donne le foncier. C'est impossible. 2/3 des demandes portent sur des T2 et des T3 et 27% de ces ménages veulent être logés à Paris. Donc la demande pour être satisfaite nécessite en moyenne 31 mois et 42 mois à Paris, avec des excès jusqu'à 10 ans pour être logé à Paris dans certaines conditions. À ça, donc ça c'est la demande de logement, il faut rajouter l'hébergement. Actuellement, on a 65 000 places d'hébergement, dont 32 000 nuitées hôtelières par jour. Chaque jour, on loge dans des hôtels 32 000 personnes à 18 euros par personne. Ça fait un budget pour le SAMU social de 180 millions. Mais le 115 ne répond qu'à une demande sur deux. Mais la répartition des places est complètement inégale, les places étant majoritairement sur Paris. Mais les sans-papiers, parce qu'il faut aussi parler de ça, 70% des gens qui sont logés à l'hôtel sont des sans-papiers, ne peuvent pas accéder au logement social, parce qu'on ne peut pas accéder au logement social quand on ne dispose pas de papiers permettant la résidence en France. Mais les associations ont du mal à sortir les gens des centres d'hébergement des maisons relais, parce qu'il n'y a pas assez de place dans le parc social qui, lui, se libère pas vers l'accession, vers des parcours résidentiels. Et donc les gens ne sortent pas de CHRS, ils n'entrent pas dans le logement social, ils ne sortent pas du logement social. Bref, toute la chaîne est bloquée, comme j'ai l'habitude de le dire, depuis le canal Saint-Martin jusqu'à la place de la Concorde. Donc la crise telle que nous la vivons en Ile-de-France, elle est extrêmement forte, elle est extrêmement prégnante et elle n'est pas identique sur tout le territoire. On fait des lois pour tout le territoire et on n'est pas dans cette situation sur l'ensemble du territoire. Alors maintenant, l'offre, elle court après la demande, elle court en permanence après la demande sans pour autant la rattraper.
Alors, le schéma directeur, il était plein de bonnes intentions. Mireille Ferry a rappelé qu'il fallait, à l'époque, on avait estimé qu'il fallait construire 60 000 logements. Maintenant, on dit 70 000, ce qui faisait un volume important qu'on n'a jamais atteint. Donc comme ça, on est tranquille, on n'a jamais atteint. Et le fait de ne pas répondre à la demande accentue encore effectivement la crise. Alors peut-être que demain il en faudra 80, peut-être qu'il en faudra 90. À chaque fois qu'on accumule du retard, eh bien, on régénère des besoins de renouvellement du parc et des besoins en logement. Donc la construction, comme je le disais tout à l'heure, elle n'a jamais atteint ce niveau-là, sauf en 91, où les objectifs étaient à peu près atteints. En moyenne, entre 95 et 2002, on est péniblement arrivé à 40 000 logements. On était à 36 000 en 2005, on serait à 30 000 en 2013 et à 27 000 en 2014. Vous voyez l'écart. Sauf si le ministère a perdu quelques dizaines de milliers de logements en cours de route, puisqu'on entend dire qu'il y a des problèmes sur les statistiques et qu'il y a des logements qui ont été perdus. Le marché, pour expliquer cette crise, est quand même un grand pervers. Il favorise la centrifugeuse socio-spatiale. Les prix du foncier dans la région Île-de-France et l'insuffisance de construction en général éliminent toutes les catégories modestes vers les centres urbains les moins attractifs. Les loyers sociaux, des logements sociaux que nous construisons actuellement, sont trop élevés du fait de la disparition progressive d'un certain nombre d'ailes à la pierre et du fait d'un certain nombre de normes qui nous ont largement éloignés de la 4L. Cette spécialisation, et je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus parce que ça a été largement écrit et décrit par Éric Morin, mais également par Guilly, éloigne les catégories modestes vers la périphérie. Dans les quartiers défavorisés, les logements privés les plus anciens sont vendus par les marchands de biens, parfois achetés par des marchands de sommeil. Et les copropriétés en difficulté augmentent en nombre et certaines cités HLM, comme tout le monde le constate, se transforment en dortoirs et parfois même en ghetto, même si je n'aime pas beaucoup cette expression. Les jeunes ménages ne parviennent plus à accéder au centre des agglomérations et les villes vieillissent. Alors certains immigrés développent des stratégies résidentielles, c'est assez bien expliqué par Christophe Guilly, particulières comme l'accession à la propriété dans des copropriétés dégradées, faute d'avoir accès au parc locatif. Après, on se retrouve à gérer le problème des copropriétés dégradées. Que faire dans une situation comme ça? La saturation des transports, je pense que tout le monde ici connaît bien le sujet, avec un certain nombre de lignes de RER qui sont totalement saturées. Je pense qu'on a surtout une absence d'outils pour une stratégie qui soit vraiment régionale. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont une liberté complète d'installation et ce sont elles qui déterminent de fait l'installation des logements sur le territoire parce qu'en général, le logement suit l'emploi et c'est pas souvent l'inverse. La région n'a qu'une compétence facultative sur le logement alors qu'elle a un rôle majeur à jouer et sur le foncier et sur le financement. La région finance relativement bien le logement et continue à le financer alors que beaucoup de collectivités locales se sont retirées du financement du logement, à l'exception de la ville de Paris qui continue à financer très, très avantageusement le logement. Mais la région a sorti son financement du logement social à des conditions très particulières qu'il n'est pas toujours facile d'atteindre. Donc parfois, on préfère renoncer à la subvention que de dépenser plus que la subvention pour obtenir l'aide. Moi, la question que je pose sur cette segmentation géographique, c'est est-ce qu'on ne devrait pas retrouver des compétences qu'avait autrefois l'État en matière d'aménagement du territoire
pour que la région Île-de-France ne concentre pas toutes les demandes en matière de logement, alors que d'autres régions, et je ne parle pas que des cités minières et des cités désindustrialisées de l'Est de la France, mais des régions attractives avec des logements vides, avec des emplois non pourvus, existent, et que quand on est en mesure, comme je le fais dans ma société, avec des associations parisiennes, de proposer un emploi et un logement à la campagne, dans des zones rurales, eh ben, ça recueille un certain intérêt. Encore faut-il s'en occuper et accompagner ces familles. Un certain nombre de gens qui ne viennent pas de la région parisienne et qui atterrissent ou par avion ou par train à Paris n'ont pas forcément envie de rester dans le Grand Paris. J'ai parlé de la région. Je voudrais parler aussi des maires qui conservent les PLU et le permis de construire. Et certains bloquent la construction pour des raisons qui sont strictement idéologiques. On peut se poser la question, et j'y reviendrai dans les propositions que je fais, de la pertinence des permis de construire qui sont encore donnés aux maires. Enfin, parlons des EPF et des établissements publics. L'EPF est en train de déstocker un certain nombre de terrains et c'est une bonne chose. Souhaitons qu'il poursuive son déstockage parce que nous avons besoin de terrains pour construire. Et d'autres, les EPA ne jouent pas forcément le rôle le jeu du logement social en privilégiant beaucoup les promoteurs privés. Et en faisant du logement social le bagage accompagné du promoteur. Heureusement, les sénateurs ont voté la semaine dernière la possibilité de la VFA inversée, et peut-être les organismes HLM pourront-ils prendre parfois quelques promoteurs en bagage accompagné des organismes d'HLM. Je vais terminer en disant qu'il nous faut un plan d'urgence pour résorber la crise, qui n'empêche absolument pas de se mobiliser sur d'autres choses. Mais nous, si on réussit à construire, déjà, on est constant. On a les moyens de construire avec de l'innovation, ça je vous en donne acte et on pourra en parler. Mais donnons-nous les moyens de construire. Aujourd'hui, comment voulez-vous qu'un certain nombre d'organismes d'HLM en Île-de-France fassent de l'innovation quand 46% de leur production se fait en VFA avec des promoteurs et qu'on n'a pas le choix ? Parce que le maire a dit qu'il fallait acheter à Bouygues et que l'établissement public d'aménagement a dit qu'il fallait acheter à Intel. Et qu'on n'a pas le choix. 46% se fait en VFA, avec un détournement des concours d'architecture, avec un détournement des règles de marché public. La VFA à 100%, ça ne devrait pas être autorisé. Bon, donc, je veux bien qu'on fasse de l'innovation avec un certain nombre de promoteurs. C'est pas leur vocation, ils n'ont pas envie. Ils veulent faire du rendement et ils veulent faire tourner leurs équipes. Les propositions qui me semblent pertinentes, c'est de multiplier, en particulier dans le Grand Paris, les opérations d'intérêt national ou régional pour empêcher le blocage de la construction de logements face à l'urgence de la situation, et ceci en cohérence avec le SDRIF. Cela, semble-t-il, commence à se faire autour des gares, mais il y a combien de sites qui devraient accueillir des EIN ? Est-il normal que, alors que le Grand Paris prévoit l'arrivée du métro à des portes de Paris, là où l'autoroute a été recouverte, qu'on en a fait un aménagement urbain, paysager, etc., que rien n'ait été fait pour qu'on arrête la spéculation foncière là où en 2017 le métro va arriver. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, une bicoque qu'il faut démolir, c'est pas à la ville. Non, mais c'est la vie depuis 40 ans. Mais c'est la vie depuis 40 ans, mais il faut que la vie change. Mais oui, mais la vie depuis 40 ans, c'est la crise du logement social. Donc, il faut peut-être aussi mettre les pieds dans le plat avec un certain nombre de gens qui tiennent les rênes politiques. Moi, je ne peux pas zader. Moi, je ne peux pas... C'est pas aux organismes de zader et on peut pas en rester là. Donc la vie, c'est aussi de répéter et de répéter inlassablement que
l'amener du service public fait monter le prix du foncier de façon absolument déraisonnable, ce qui fait qu'une bicoque au bord de l'A6B se vend 700 000 euros et qu'il n'y a qu'une chose à faire de cette bicoque, c'est de la détruire. C'est anormal. Donc je propose qu'il y ait plus d'OIN et qu'on donne les permis de construire à l'État ou au préfet et qu'on se débarrasse de cette politique extrêmement clientéliste qui voudrait qu'on fasse des maisons individuelles là où il y a du métro sous prétexte qu'il y a 50 ans c'était une zone pavillonnaire. Deuxième élément important pour moi et je voudrais insister là-dessus. Il faut absolument articuler le Grand Paris avec la rénovation urbaine. On ne peut pas faire marcher deux trains à deux allures différentes. Sinon, on laissera les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, les zones en rue, sur lesquelles on a un mal fou à travailler, on les laissera de côté. J'ai rénové des logements magnifiques à Clichy-sous-Bois. On a mené une politique d'attribution pour avoir une population mixte. Je rends hommage encore une fois à Christophe Gulli qui dit que la vraie mixité, elle est faite dans les organismes HLM parce qu'eux, ils font des politiques d'attribution et ils essayent de s'y tenir. Là où il n'y a pas de mixité, et où, d'ailleurs personne ne s'en plaint, c'est dans là où les organismes d'HLM n'interviennent pas, c'est-à-dire dans le privé. Donc je donnais cet exemple. On a fait un travail d'enfer sur Clichy. On a travaillé avec les élus, avec le regretté Claude Dillin. On a mis en place une politique sociale pour faire de la mixité et on n'y arrive pas. Moi, je travaille à Toit et Joie. Je travaille donc pour des postiers qui se lèvent le matin et qui ne veulent pas aller à Clichy. Mais ils ne veulent pas aller à Clichy, pourquoi ? Parce que c'est impossible d'y aller, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce que c'est extrêmement compliqué et que nous, quand on y va en voiture, soit on vient nous chercher à une gare qui est très éloignée, il faut que quelqu'un vienne vous chercher, soit on y va en voiture et on met deux heures. Donc aujourd'hui, l'articulation du Grand Paris, elle doit se faire pour désenclaver ces quartiers. Si on passe à côté, si les transports ne desservent pas ces quartiers qui existent et qu'on ne démolira pas tous, parce que les gens sont attachés à leur quartier et parce qu'on ne démolira pas tout, on aura tout raté. Sinon, il y a un train qui restera en gare et on recommencera toute la politique de la ville un peu plus tard. Dernière chose, j'insiste là-dessus, que l'État ne soit pas schizophrène en ce qui concerne le foncier. On a eu 5 rapports Pommelet, on a eu, tous les ministres ont promis le foncier de l'État. On a candidaté récemment pour une caserne dans Paris. La proposition qu'on a faite avec un promoteur privé, parce qu'il fallait quand même que notre offre ne soit pas ridicule, permettait de faire 100 logements dans un quartier complètement déficitaire, dans un quartier chic de la capitale. L'État a préféré faire des logements haut de gamme pour 20 millions de différence. 100 logements sociaux d'un côté, qui étaient permis dans un quartier très chic de la capitale, 20 millions de plus avec une offre privée. L'État est schizophrène sur ses logements. On n'a pas vraiment accès au foncier de l'État. Donc, si on veut vraiment faire une politique offensive, qui soit une politique de vraie mixité sociale, avec du vrai logement social dans la capitale, il faut qu'on arrête de nous raconter qu'on va avoir du foncier de l'État qu'on n'a jamais. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse... Bon, je vous propose maintenant d'écouter deux membres, donc consécutivement Monique Eleb et Béatrice Rameau, du Conseil scientifique de l'AIGP. Vous noterez au passage que si on a appelé ces soirées questions vives, c'est bien pour créer, y compris sur le plateau, une certaine controverse. Nous allons continuer. J'en ai un là, mais je sais pas. Je prends celui-là. Alors, moi, je vais changer d'échelle complètement. Moi, c'est l'intérieur, vous avez compris. Ça fait des années que j'essaye de convaincre un certain nombre de maîtres d'ouvrage et de promoteurs de rendre les logements plus désirables,
Donc pour moi, 70 000 logements, c'est pas tout, évidemment. Il faut aussi qu'ils soient adaptés à nos modes de vie, à nos valeurs, et qu'ils soient abordables et désirables. Alors, on parle beaucoup de développement durable, et en fait, pour moi, c'est tenir compte de tous les changements de notre société et des phases de la vie. Or, pour l'instant, il est assez rare qu'on en tienne compte. Alors, je voudrais très vite donner des éléments sur les changements sociaux qui ont qualifié ces derniers temps dans les pays européens, en fait. D'abord, le temps. Le temps du quotidien a changé, et c'est chez soi qu'on a le plus d'activité, le plus de loisirs, et qu'on travaille de plus en plus. En fait, des actions qu'on effectue à l'extérieur aujourd'hui se passent à l'intérieur. Donc, on va parler d'internalisation, notamment des loisirs, multiplication des écrans, télévision, home cinéma, etc. Et en fait, il y a une porosité entre vie privée et vie publique qu'il faut considérer, car la restructuration entre le travail, sa qualité, ses temporalités et la vie privée, ce qu'on appelle en fait le mode de vie, remodèle complètement notre rapport au temps. La réglementation sur les 35 heures de travail par semaine a contribué à renforcer cette augmentation de la présence chez soi et a conduit à porter une attention assez nouvelle au décor et à l'ambiance domestique, ce qui a augmenté énormément d'ailleurs les phénomènes de décor, de travail sur le chez soi et d'appropriation. Qui est d'ailleurs très souvent une compensation par rapport à la non-maîtrise du monde extérieur et de l'urbain. Aujourd'hui, 28% des personnes travaillent chez elles, 10% toujours, et comme ce sont des chiffres bas par rapport au reste de l'Europe, on peut penser que ces chiffres vont augmenter. On observe aussi chez soi une désynchronie. Les activités et les comportements à l'intérieur des différents membres de la famille sont particuliers, chacun vit sa vie, et l'idéal d'épanouissement personnel est tout à fait accepté en général, même si les moments de partage et de rencontre sont valorisés. Donc l'usage de la maison, les rites du repas notamment, ont changé ou sont en train de changer selon les groupes sociaux. Alors, on vit donc ensemble, mais à des rythmes différents, et l'espace proposé n'est pas du tout organisé pour cela, car les modalités de la vie chez soi se sont terriblement multipliées ou transformées ces dernières années. Alors, évidemment, manque d'adéquation entre l'évolution de la société et celle du logement. Ça, c'est une évidence. Quand on regarde ce qui se passe et qu'on interviewe les habitants, il y a, selon la structure de la famille ou du groupe domestique, des différences importantes. L'histoire de l'habitat nous apprend que de nouveaux dispositifs spatiaux apparaissent quand la société change. Et aujourd'hui, les familles se restructurent, le groupe domestique se recompose et les pratiques évoluent. Le logement devrait suivre. En fait, je parle de groupe domestique parce que la famille modale, aujourd'hui, ne représente plus que 45% de la société française. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous donner des chiffres qui sont très étonnants. 39% de célibataires en France, plus d'hommes que de femmes, 53% à Paris, 7,5% de veufs, 8,5% de divorcés, ça fait globalement presque 55%. Donc, ces populations, est-ce qu'on s'en occupe ? Et moi, j'aimerais bien que, justement, on différencie de plus en plus finement les modes de vie des différentes populations françaises. Comme vous le savez, on observe une augmentation de l'espérance de vie, du nombre de personnes qui vivent seules, quel que soit leur âge. Et ça, c'est très étonnant, parce que de plus en plus de personnes vivent en cohabitation, quel que soit leur âge. Et c'est évidemment lié aux crises financières, mais crises amoureuses aussi. Et on observe dans certains groupes sociaux une familialisation des rapports d'amitié, c'est-à-dire on s'installe avec ses amis, quel que soit l'âge. Et en ce moment, je travaille avec Sabri Bendimerat sur la cohabitation, c'est une tendance qui est
très, qui commence à être, à devenir importante. Alors, aujourd'hui, on pourrait avancer que pour suivre l'évolution sociale, il faudrait par exemple proposer des lieux où on peut être ensemble mais séparément. Les solutions peuvent aller de propositions très extrêmes qui mettent en question les limites du logement jusqu'à des aménagements moins radicaux mais tout aussi efficaces. Par exemple, on a beaucoup évoqué ces dernières années dans notre milieu l'habitation village, l'habitation éclatée, comme par exemple le Diden Village de MVRDV, composée de parties autonomes, mais reliées entre elles, et avec un atelier, des chambres qui permettent l'autonomie des différents membres de la famille ou du groupe domestique. La maison Muriyama de Nishizawa était aussi dans cette, au Japon, était aussi dans cette. Voie, c'est-à-dire qu'elle mettait en espace le slogan « Ensemble mais séparément » en fragmentant le bâti composé de 6 unités de vie avec des terrasses et des plots bâtis sur une terrasse avec des chambres, des bureaux, des cuisines, une cuisine commune, pardon, où 6 personnes peuvent cohabiter. Donc ces propositions renvoient à une réflexion sur une maison qui est mouvante, composée de parties autonomes, fragmentées, qui se recomposent. En fait, c'est encore de l'ordre de l'expérimentation, plus proche de concepts presque artistiques de la part d'architectes qui continuent à vouloir changer la vie. Donc dans l'ordre de l'utopie, hein, évidemment. Et ils tiennent compte d'un autre rapport à l'espace et au temps, créé par l'habitude qu'on est en train d'installer durablement dans nos vies, de surfer, de naviguer librement, mais dans un intérieur accueillant à tous les usages. Comme ces exemples sont souvent construits sur le toit d'un immeuble existant, on a insisté sur la capacité de ce dispositif à densifier les centres-villes en utilisant les toits. C'est une solution. On les a vus aussi comme des simples jeux de formes et on a peu relevé le fait qu'ils opéraient une transformation, une innovation socio-spatiale du dispositif de l'habitation liée à un changement de valeur, d'usage quotidien, de façon de penser. Aujourd'hui, les caractéristiques du logement ont changé, mais pas dans le sens où nous l'espérions. Seules quelques opérations expérimentales arrivent à intégrer les modifications de la société. Il y a toujours de bons architectes, il y a toujours des maîtres d'ouvrage d'art et d'essai, mais la situation est grave, car on peut observer, à de rares exceptions près, une baisse de la qualité des logements. On en connaît les raisons. La production courante ne tient que rarement compte des observations liées au mode de vie, qui implique de refonder complètement la réflexion sur la partition des logements. Tout le milieu s'accorde à dire que la qualité des logements a baissé et que notamment les normes accumulées à son propos freinent l'innovation, voire mettent en question la qualité. Ce sont en particulier les normes en faveur des personnes à mobilité réduite. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'on propose des appartements spécifiques, mais appliqués à la plupart des logements, ça entraîne des dérives en termes de distribution. Ces réglementations nouvelles, associées aux habitudes et à la culture, d'entreprise des producteurs de logements, car certains tiennent à des savoir-faire difficiles à mettre en question, le fichent dans des dispositifs obsolètes, démodés. De plus, la taille des logements collectifs qui auraient dû augmenter pour obéir à ces normes a baissé en ville. La France, en moyenne, le logement en France est de 65 mètres carrés depuis 25 ans, selon l'INSEE. Mais en fait, depuis 5 ans, on a vu la taille des logements baisser de 2 ou 3 mètres carrés. Alors même qu'ils sont parmi les plus petits d'Europe. Alors, avec d'ailleurs, comme certains territoires comme le Grand Paris, une raréfaction du foncier, donc une augmentation de son coût. Cette petite taille des logements dans les grandes villes entre complètement en contradiction avec les modes de vie, avec l'arrivée des nouvelles technologies et une évolution des temps et des espaces de travail qui se passe, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus chez soi. On a donc vu apparaître ces dernières années des nouvelles façons de distribuer à moindre coût et de nouveaux dispositifs à imposer qui ne tiennent pas compte de la réalité de certaines constantes dans les modes de vie. Notamment celle de l'intimité. Par exemple, ici, c'est très bien, on entre par une terrasse chez soi, mais on entre directement dans le séjour
tous les habitants dont j'ai visité dernièrement les appartements se plaignaient de ne pas avoir un sas d'entrée et demandaient à l'architecte avec lequel je visitais les appartements si on ne pouvait pas remettre une cloison ou des armoires au moins. Donc en fait, vraiment aujourd'hui, certaines constantes du mode de vie ne sont pas respectées, comme justement celle de l'intimité, de la différenciation des espaces entre espaces privés et espaces publics, et ne tiennent pas compte non plus de la spécificité des modes de vie selon les groupes sociaux. Donc, disparition du sas, la cuisine comme décor du séjour, simple linéaire d'équipement, imposé à tous. Alors moi, j'ai vu des centaines de cuisines refermées. Et en fait, tout ça est mis en place de façon à mieux faire tourner le fauteuil roulant d'une hypothétique personne à mobilité réduite. Il y en a en fait 200 000 en France. Donc, et en plus, l'autre élément, la plupart des personnes à mobilité réduite, quand elles arrivent dans ces logements qui sont spécifiquement organisés pour elles, les transforment. Ça ne correspond pas du tout à leurs demandes non plus. Donc, on a un problème sérieux, mais bon, je crois qu'on l'a quand même bien analysé et qu'il faudrait maintenant agir. Quand Apparu était ministre du logement, on en a parlé ensemble et il m'a dit « Vous n'êtes pas toujours à Bruxelles, eux le sont ». Voilà. Donc il y a un lobby, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même bien triste et compliqué parce qu'au fond, ça fait vivre mal des milliers de gens en France. Alors, l'imposante stratification des normes du logement s'impose à l'architecte qui finit par produire un logement issu de ces prescriptions, un logement réglementaire, mais on se demande à quel mode de vie il est adapté, ce logement. Les architectes, les maîtres d'ouvrage sont ligotés par ces injonctions liées le plus souvent à des questions financières et constructives. Mais les architectes sont bien conscients de cet arrêt dans l'évolution du logement et ces dernières années, certains d'entre eux, avec des maîtres d'ouvrage, ont tenté de compenser cette situation en traitant de façon plus subtile l'intervalle entre le dedans et le dehors. Le rapport bien pensé à un extérieur intériorisé, ou l'inverse, s'explique donc par la réduction de la taille des logements collectifs et celle du manque de possibilités d'innovation dans le logement lui-même. Puisqu'on ne peut pas donner de surface intérieure, on donne un espace extérieur moins coûteux. Et par exemple, l'idée d'entrer chez soi par une terrasse gagne du terrain. Alors, il y a toutes sortes de solutions, entre ça c'est Vergely à Lyon Confluence. C'est très difficile de faire tout en même temps. Vas-y, tourne. Alors, rue des Vignoles, Sabri Bendimerad, ensuite. Vas-y, continue. Voilà, tu continues. Le toit de l'immeuble de Philippe Gazot, Seine-Rive Gauche, où on a des terrasses privées et des terrasses partagées. Ce traitement de l'intérieur extériorisé, ici, les rideaux thermiques des derniers logements de la Caton-Vassal, rue de Thionville, dans le 20e, en fait, on s'aperçoit que cette situation a encouragé les architectes à inventer ou à revisiter des dispositifs qui introduisent de la végétation, des matériaux naturels dans la vie quotidienne des habitants du logement collectif. Donc, multiplication des terrasses, des jardins d'hiver, des serres, etc. Murs végétaux, bois en façade, terrasses végétalisées, etc. Qui donnent une respiration au logement. En fait, ces balcons deviennent parfois de vraies pièces à vivre et en réalité, on en espère parfois que des relations de voisinage seront nouées dans ces coursives élargies, etc. En fait, l'idée, c'est de mettre en place aussi par cette façade agrandie, une ville plus verte, plus saine et une innovation qui est fortement
souhaitée par les habitants du collectif et surtout dans des villes très, très minérales. Alors, la question de l'habitabilité renvoie aux états affectifs de plaisir et de déplaisir d'habiter un territoire, à la façon d'éprouver la relation à un espace dans une dynamique de valorisation ou de stigmatisation. Et en fait, un quartier est inhabitable, comme nous l'a dit une habitante des confins du Grand Paris, quand on se sent isolé, en insécurité, loin des commerces, loin des équipements de tous ordres, et qu'il donne l'impression d'être un citoyen de seconde zone, relégué en somme. Le rapport intime à un chez-soi qualifié est certes structuré par son organisation, par son type architectural, mais la façon d'y arriver, évidemment, est aussi importante. Et c'est en ce sens-là que l'accès au transport et la présence des aménités et des équipements jouent un rôle fondamental, tout aussi important que le statut d'occupation et la perspective temporelle des individus, c'est-à-dire leur parcours résidentiel. Et pour l'instant, la mobilité résidentielle est très faible dans le Grand Paris. Pour rendre la métropole habitable, toutes les équipes du Grand Paris ont partagé l'idée qu'il fallait tenir compte du déjà-là, de l'existant. Nous avons, quant à nous, élaboré un catalogue pour valoriser l'existant de façon à proposer plus de logements, mais aussi un habitat désirable. Nous allons voir un extrait de film que nous avons fait en 2013 dans le cadre de nos études sur Habiter le Grand Paris. Et pour commencer, quelle est l'actualité de chacun des types présents dans le Grand Paris et comment peuvent-ils fournir une réflexion sur de nouvelles programmations ? Au fond, qu'est-ce qu'on recherche dans ces types ? On recherche à comprendre s'ils ont une capacité de réactualisation qui permette une flexibilité, une adaptabilité, éventuellement une réversibilité. Et la rue de Meaux de Renzo Piano, qui est dense, qui est un bâtiment très dense, mais qui permet de très bien vivre cette densité grâce aux jardins et aux terrasses qui sont des prolongements extérieurs du logement. Renzo Piano a annoncé, et Plattner ont annoncé qu'ils avaient comme modèle les fondations philanthropiques qui organisaient autour d'un très très grand jardin des immeubles qui avaient donc une unité et qui permettaient une vie de voisinage intéressante. L'autre bâtiment type de la région parisienne, c'est la petite maison du Moyen-Âge. Petite maison qui avait un ouvroir, c'est-à-dire un commerce au rez-de-chaussée et qui s'étalait verticalement et qui logeait le maître, les domestiques, les employés, etc. Donc une mixité de faits et qui associait habitat et travail. Et ça correspond évidemment à quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui puisqu'on sait que beaucoup de gens travaillent chez eux. Cela dit, ça implique de traiter le quartier, c'est-à-dire de proposer des promenades, des espaces verts, des jardins, des cafés et des équipements sportifs pour que ces travailleurs ne deviennent pas neurasthéniques. Un autre type tout à fait intéressant, c'est celui de la cité-jardin. La cité-jardin représente une sorte d'idéal, on y revient aujourd'hui, parce que c'était des habitations noyées dans des jardins, avec des équipements de quartier extrêmement efficaces, et qui permettent d'avoir une vie de voisinage dense. On peut se poser la question, est-ce que les éco-quartiers sont équivalents aux cités-jardins ? Je regrette un peu de dire qu'on est un petit peu trop centré dans ces écoquartiers sur les performances techniques, thermiques, etc. et qu'on ne s'intéresse pas beaucoup ou pas assez aux rapports de convivialité qu'ils peuvent produire. De l'immeuble haussmannien qu'on ne trouve pas seulement dans Paris intramuros mais aussi au Raincy et ailleurs, on peut retenir l'extraordinaire plasticité des dispositifs intérieurs, c'est-à-dire le fait que on peut avoir un appartement principal avec sur le palier une chambre séparée qui permet de travailler ou d'accueillir la grand-mère, la jeune fille au père ou éventuellement de donner une indépendance à un adolescent. Et puis aussi les cloisons qui sont ouvertes, les cloisons entre deux appartements qui comportent des portes et qui permettent d'annexer une pièce de plus quand on en a besoin et de la relouer ou de la revendre quand on n'en a plus besoin. En fait, le croisement des types et des financements devient de plus en plus banal.
dans le 20e arrondissement, on a beaucoup d'exemples d'habitats où on trouve à la fois des immeubles, des petites maisons réhabilitées, des petites maisons construites côte à côte. C'est l'exemple d'Édouard François rue des Vignoles qui mêle dans une opération qui est tout à fait unifiée ou, sur le modèle de la villa parisienne, collectif, maison individuelle, maison habitat groupé, logement en accession et logement locatif aidé. Donc en fait une mixité de populations, de financement qui permet de créer une urbanité particulière et qui est en plus une densité supportable pour les habitants qui ont l'impression de vivre dans un espace privilégié puisque les plantes, la végétation a toute sa place. On a proposé à vous, maintenant pour la prochaine étape, de faire une liste à quelle manière on peut donc jouer avec l'existant. On peut intensifier dedans, on peut augmenter des éléments qui entourent le site, on peut faire des programmations dans le vide, dans les friches qui sont entre les bâtiments, on peut ajouter des éléments qui sont dans le toit, on peut repositionner l'existant et on peut pousser en haut pour faire des éléments dedans, etc. Donc il y a une série des imaginations qu'on propose à vous. Ça donne, quand on utilise ce catalogue, un plus grand catalogue, parce qu'on met ça dans tous les terrains de Grand Paris. Peut-être au fin, on ajoute 1000, 2000, 10 000 interprétations dans votre terrain. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'avec cet énorme catalogue, cette nouvelle exposition d'un IBA, qui montre toutes les manières de vivre avec l'existant, avec des aspects futuristiques dedans, ça attire des gens et ça donne aux gens qui ont un territoire à développer ensemble. Ok, enfin, à quelle manière de montrer ça sur place? Parce que ce sont des mots et pas encore des projets, peut-être. Mais oui, donc on a trouvé donc quelques endroits à montrer avec des images et étudier ça plus fin, à quelle manière donc de commencer avec cet énorme catalogue. Par exemple, on a trouvé à Bagnolet, mais non, c'est un peu moche, hein, là, et on a donc requalifié l'existant dans cette opération, et ça donne une nouvelle perspective. Deuxième exemple, oui, aussi au boulevard Saint-Marcel, je peux imaginer d'intensifier ça, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut habiter ça. Peut-être on peut augmenter l'enveloppe. Et avec cette enveloppe, je peux construire le parc solaire, mais aussi je peux donner l'espace pour plus de gens. Je peux augmenter l'économie des sites, parce que oui, ça donne une taxe. Et avec cette taxe, je peux payer le reste de l'opération de Grand Paris. Troisième exemple, à Pantin, au canal de l'Ourcq. Oui, il y a le monstre là, que je peux imaginer qu'on peut donner ça pour faire un autre coopératif dedans, qui peut transformer ce bâtiment dans une autre perspective et qui donne un aspect berlinois à Paris. Hein, plus cool et pas simplement plus classique. Ou, à troisième, aussi je peux imaginer qu'on utilise les écoles existantes, ça c'est le trésor public qu'on a, pour utiliser, donc, pour augmenter la densité. Je peux m'imaginer que dans l'école de Puret, par exemple, on requalifie, on fait une très belle école à l'intérieur, mais on ajoute des maisons dans le toit. Et avec ça, je peux payer aussi cette restauration. Je peux donc innover l'éducation publique avec ça. Quatrième élément, au 18e. Là, vous connaissez la rue Max Dormoy, ils ont beaucoup de vide dedans. Peut-être je peux positionner des bâtiments dedans. Peut-être une petite tourelle, hein, avec une autre forme. C'est possible là-bas. Pourquoi pas? Pourquoi ça n'existe pas là encore? Ou a choisi le roi
Là, il y a la scène. Là, on a besoin de la scène, a besoin d'un grand espace pour les pépieries, etc. Pour trouver plus d'espace pour le fleuve durant l'hiver pour montrer sa taille. Donc là, on peut vivre avec ça. Parce que quand on fait des maisons à pilotis ou flottantes, je peux imaginer que la scène peut être plus grand, et même à la même échelle que la Meuse à Rotterdam. Enfin, ici une image sur le parc de Bois de Vincennes. On propose de requalifier le Bois de Vincennes. Ça peut être plus fantastique, ça peut attirer plus de gens, ça peut être un parc métropolitain. Et on utilise cet aspect pour donner des adresses qui entourent ce parc. Quand on augmente chaque bâtiment ou quelques bâtiments pour la densité dedans, on peut augmenter l'usage des parcs et on peut imaginer donc de faire une plus grande valeur dans cette direction-là. Et avec peut-être 500 nouveaux bâtiments qui entourent ce parc, on a aussi donc 500 architectures, on a 500 interprétations à quelle manière de vivre avec l'ancien bâtiment et pour continuer ça en haut. Et avec ça, donc, on a déjà le projet de Bois de Vincennes, donne déjà une collection d'interprétations. Oui, maintenant, je viens à Paris et je vais être chez vous. Donc voilà pour ce travail qui réconcilie les deux questions posées de la quantité, de la qualité et en même temps celle de l'innovation. Alors, autre équipe internationale de l'AIGP avec Béatrice qui va nous montrer une manière non seulement de concevoir les logements mais aussi de les utiliser qui peut modifier l'approche qu'on a généralement de cette question. Oui, dans un premier temps, je me suis posé très littéralement ces questions aujourd'hui. 70 000 logements, c'est tout. Et ma première réponse, c'était que ce n'est même pas assez. Parce que si on... car en effet, si on regarde l'origine de cette ambition et de construire 1,5 million de logements d'ici à 2030, à raison de 70 000 logements par an. Et si on regarde déjà les retards qu'il y en a accumulés depuis 2010, c'est considérable, c'est 75 000 logements de retard accumulés. Alors, ce n'est pas pertinent parler de 70 000 logements, mais plutôt il faudra construire 666 logements par an. Alors la chiffre est devenue déjà trop petite. Mais bon, si on essaye de rester les choses simples et on garde la chiffre plus iconique de 70 000 logements, et on se rend compte déjà que les études qui ont été faites déjà ont questionné beaucoup ces chiffres qui semblent déjà très impossibles à réussir parce que la production de logements, normalement, ce qui va faire, ce qui va faire dans les années à venir. Alors, comment on a pu arriver à penser qu'on était capable de construire 70 000 logements tous les années? Est-ce que s'agissait d'une grande ambition ou, par contre, s'agissait d'une grande fantaisie? Alors, moi, ce que je me demande, est-ce que comment on peut passer d'une situation de fantaisie à une situation de réalité? Et moi, comme architecte, et j'aime bien la réalité, ma question, c'est plutôt dire qu'est-ce qu'on peut faire avec la situation, la production réelle de logements. Comment on peut la maximiser? Comment on peut donner des solutions architecturales qui peuvent optimiser ces productions? Parce que moi, comme architecte, je ne peux pas, au moins directement, impacter le prix de foncière ou impacter les investissements institutionnels ou les prêts de banque. Mais moi, comme architecte, je peux faire du plein. Et je peux le faire très bien. Même aujourd'hui, ça devient un vrai challenge avec toute la réglementation. Et
de plus en plus, on regarde que les plans sont totalement gouvernés par la réglementation, surtout la réglementation PMR, qui, vraiment, ce n'est pas la réglementation le problème, mais c'est l'application aux 100% de logements. Ça, c'est vraiment de l'aberration aujourd'hui, comme Monique a déjà évoqué. Parce que, comme vous savez, le dispositif spatial de la réglementation impacte directement la taille de certaines pièces. So, par exemple, ici, on regarde l'augmentation de la salle de bain, les toilettes et la chambre principale, où on a déjà attrapé 5 mètres carrés d'élargissement. Si on regarde la totalité de l'appartement, un appartement normal, un T2, un T3, l'augmentation de surface, c'est plutôt 8 mètres carrés. Alors, 8 mètres carrés dans un T2, T3 représente une augmentation de prix entre 7 et 9%, ce qui rendrait le logement assez inaccessible. Alors, la stratégie aujourd'hui, c'est plutôt de dire on garde le prix pour ne pas faire le logement inaccessible, mais ce qu'on fait, c'est de garder aussi la surface. Et pour compenser l'augmentation de certaines pièces de la maison, on va réduire des autres. Et comme ça, on commence à faire des logements qui sont assez discutables. Ou on trouve des formules, comme on regarde ici, une pièce unique, cuisine, séjour, accès. On trouve des résultats où les séjours, l'espace de séjour, c'est simplement deux fois plus grand que les toilettes et la salle de bain. Et en tout cas, ça a devenu la formule assez standardisée de répondre à tous ces contraintes de marché et de réglementation. Ça nous a conduit à faire des logements presque un produit qu'on peut standardiser beaucoup. Et ça, c'est simplement comme anecdote. Quand on a mis en Google plan de logement neuf, on a trouvé 6 fois, en 4 minutes, les mêmes plans d'appartements sur 6 opérations différentes et sur 6 villes différentes en France. Et peu importe que ce plan ici soit 60 mètres carrés et l'autre 85, la distribution, l'organisation, les principes, c'est exactement le même. Et c'est comment ce logement standardisé français? C'est, comme on a dit, il a la séjour cuisine fusionnée, toute en une pièce. Aussi, la bande typique humide avec des pièces humides non ventilées et non éclairées. C'est la bande de pièces à vivre. Après, on a des appartements monorientés et après, on a la répartition traditionnelle classique entre zones de jour et zones de nuit. Alors, ce qui devient un peu inquiétant, c'est le fait de dire au moment où on est supposé de construire les plus, on risque de le faire très très mal. Parce qu'on va reproduire un produit assez standardisé 70 000 fois toutes les années. Aussi, c'est assez étonnant qu'on arrive à parler aujourd'hui des logements standardisés quand ça devient de plus en plus évident la diversification croissante des ménages. Nous avons étudié qu'en Ile-de-France, la famille traditionnelle, les pères, la mère et les enfants petits, ça représente qu'un 27% du ménage. Alors que le reste, c'est des familles monoparentales, des personnes âgées qui vivent seules, des étudiants, etc. Bien sûr que c'est très difficile de dessiner un appartement pour chaque de ces ménages, et même aussi parce que cette situation parfois sont temporaires, mais ce qu'on pourrait faire, nous, comme architectes, c'est de dessiner des plans qui sont un peu plus adaptables, qui commencent à introduire des mécanismes qui permettent que l'appartement peut accompagner le développement et les besoins du ménage. Et pour faire ça, il ne faut pas repenser les plans de l'appartement totalement, mais simplement commencer à re-questionner les choses qu'on ne re-questionne plus, comme par exemple l'organisation type jour et nuit. Simplement, si on commence à nous oublier de cette organisation, par exemple, comme dans ce plan, où on n'a pas jour et nuit, mais simplement on est capable de mettre une chambre à côté de l'accès, déjà permettre de maintenir une coexistence plus saine entre parents et enfants. Les parents peuvent garder plus son intimité. Mais aussi, demain, dans 15-20 années, ça permet aussi une future cohabitation.
qui aujourd'hui sont de plus en plus communs. Une cohabitation des parents qui habitent avec ses enfants, qui reviennent chez eux parce que, pour situation économique ou amoureuse, pas aboutie. Aussi, une personne âgée qui doit accueillir une aidante. Aussi, ça peut devenir un espace de travail à côté de l'espace de la maison. Mais en tout cas, permettre d'accueillir beaucoup plus de situations qui se passent de plus en plus. Et même éventuellement, on peut penser que la pièce se détache complètement et ça peut devenir, par exemple, un studio indépendant qui peut faire gagner à l'appartement principal un revenu à la retraite. Et comme ça, on a fait deux logements à partir de un, ce qui commence à relativiser les besoins de 70 000 logements neufs tous les ans. Une autre typologie assez pertinente, par exemple, c'est les biomes de ICAD, qui simplement se base sur ce principe aussi que l'on trouve dans les appartements haussmanniens, comme on vient de voir, où il y a une pièce qui peut garder un accès indépendant dans l'espace de circulation, mais qui est aussi connectée à l'appartement principal. À nouveau, on supprime de la réduction jour et nuit, et ça permet, c'est un appartement qui dépense déjà pour la cohabitation, tous les types de cohabitation que l'on a déjà évoqué. Et également, ça permet d'accueillir loger deux ménages dans un appartement, ce qui contribue à contrôler la demande de logement. Et sinon, plus loin, pourquoi pas déjà, depuis qu'on fait les logements, depuis qu'on les design, de penser pour pouvoir évoluer très facilement, pour pouvoir se multiplier les deux. On a un des trois et un des quatre, et avec certains mécanismes très faciles, on peut faire que demain, on a le doublé. Alors, à nouveau, avec deux appartements, on peut réussir à avoir quatre, ce qui fait plus d'appartements sans se construire. Et à nouveau, ça commence à relativiser les 70 000 logements. Alors, si la évolutivité des logements devient une qualité assez appréciable pour donner de la fluidité à tous les parcs résidentiels, pourquoi pas obliger ou réglementer que tous les appartements à partir de T4 ou T5 et recommander les T3, doivent intégrer des mécanismes d'évolutivité. Les architectes, au moment du permis de construire, peut-être doivent fournir des plans qui montrent comment cet appartement peut évoluer éventuellement. Et dans une situation hypothétique de nos 70 000 logements, si on imagine que tous les T3, T4 et T5, dans une distribution assez classique de typologie, on pourra avoir, à partir de 70 000 logements, 115 000 logements, ou à l'inverse, si l'objectif c'est d'arriver à 70 000 logements, il faudra construire 47 000 logements. Et cette hypothèse, ce n'est pas si irréel quand on regarde par exemple les phénomènes de sous-peuplement. Ici, en rouge, c'est les appartements qui sont peuplés normalement. En vert, la proportion des appartements qui sont surpeuplés et en bleu, les appartements qui sont sous-peuplés. Alors, c'est extrêmement étonnant que, par exemple, en Grand Couronne, on se trouve que plus de la moitié des appartements sont sous-peuplés. En Île-de-France, c'est presque la moitié. Alors, d'un côté, on a un besoin de 70 000 logements par an, mais d'un autre côté, on a que la moitié des appartements sont sous-peuplés. Alors, c'est quoi, hein? Et si le sous-peuplement, c'est un phénomène qui se donne surtout dans les appartements en accession, pas dans les locations sociales, et on regarde que presque 75% des appartements en propriété sont sous-peuplés, dont 46,4% sont sous-peuplés accentués. Ça veut dire qu'ils comptent deux pièces en plus de le nécessaire. Alors, est-ce qu'on peut trouver dans les sous-peuplements un foncier invisible, ou même on peut trouver déjà des logements invisibles qui peuvent contribuer énormément à calmer un peu cet besoin de logements, de 70 000 logements. Et en même façon, est-ce qu'on peut penser, comme il y a des programmes comme Habiter Mieux,
C'est un programme de l'État pour contribuer à 300 000 ménages à faire des travaux dans son appartement pour augmenter la qualité, le pouvoir d'achat, etc. Ça a été pensé pour l'adaptation thermique. Mais est-ce qu'on peut imaginer l'État qui peut faire une subvention, une aide qui peut favoriser l'évolutivité des appartements? Et comme ça, on peut trouver des appartements en tout ce qui s'est déjà fait. Et pour terminer, je voudrais parler sur un nouveau type d'appartement, la co-résidence, qui on travaille là depuis 2012, et qui c'est une réponse assez directe à le contexte actuel. C'est à le contexte actuel social, économique et environnemental. Alors, si on regarde l'évolution des ménages à l'horizon 2030, on a un nombre croissant de ménages, mais chaque ménage devient plus petit. Alors, ça veut dire qu'on a besoin d'un nombre plus grand d'appartements pour une population identique. Le deuxième contexte, c'est qu'on est dans un moment de crise économique et un moment de crise du logement, mais comme on a vu, c'est une crise assez constante. Mais par contre, on est dans un moment où les économies collaboratives et toutes les initiatives du partage des ressources prennent beaucoup de force. Et aussi où il y a une évolution des lois et la réglementation qui précisément ont la volonté d'accompagner les montages d'alternatives de logements classiques. Comme on a vu déjà, la cohabitation, mais en tout cas la colocation, c'est une tendance aujourd'hui qui s'ouvre au-delà des étudiantes et qui devient intéressante pour toutes les tranches d'âge. Alors, on a généré une typologie qu'on appelait la co-résidence, qui est basée sur la mutualisation d'espace. Et avec cette mutualisation d'espace, on a étudié qu'on peut remporter une économie de 35%. C'est une économie sur les prix de logement, mais aussi sur les budgets et sur l'espace, parce qu'on a des appartements plus grands, mais la surface totale du bâtiment, c'est 35% plus petit. On a une économie d'énergie et on a une économie du temps. Alors, pour montrer un exemple, ici, on a une typologie en duplex où 5 ménages ou 5 groupes domestiques peuvent ont son pièce, sa partie privée, avec les chambres et les salles de bain. Et tout ensemble mutualise une grande cuisine et un grand séjour à double hauteur. Alors, c'est un séjour et une cuisine beaucoup plus grande que dans un appartement normal, mais beaucoup plus petit que si on aura 5 cuisines et 5 séjours indépendants. Et le fait de mutualiser les espaces, et le fait aussi de qu'on économise sur la circulation, parce qu'on a un seul accès pour 5 appartements, on peut arriver à ajouter aussi des pièces supplémentaires comme une buanderie ou un atelier bureau pour les gens qui travaillent chez soi, tout en gardant un 35% d'économie. Par exemple, ici, si on habite dans un des trois là, on a une surface privée, un usage privé d'environ 30 mètres carrés et on peut profiter d'une surface partagée d'environ 120 mètres carrés. Ça qui fait un appartement de 150 mètres carrés qui vient être le double d'un T3 aujourd'hui classique. Alors, si on garde l'hypothèse des 70 000 logements, ça veut dire que si on construise tout comme ça, avec la co-résidence, on pourra avoir un équivalent de 94 000 logements. Et à l'inverse, si on garde les 70 000 comme objectif, il faudrait faire 45 000 logements. Alors, on a fait plusieurs modèles de co-résidence qui montrent différents modèles de partage et différentes économies. Mais tous partagent en commun que sont tous réversibles. Ça veut dire que si à un moment donné, dans 20-30 années, la co-résidence n'est plus pertinente parce que la société a changé et personne ne voudrait pas habiter ensemble, sont tous réversibles dans un appartement normal. Alors, pour faire un résumé, on a d'un côté une situation actuelle de 70 000 logements, mais qui ont les répondre avec logement réglementaire, logement standardisé et logement statique. Et ce que nous voudrions commencer à penser, c'est que si on introduit la dynamicité
à l'appartement, si on les donne, si on les donne des mécanismes pour pouvoir adapter, ou même l'évoluer, ou même le multiplier en deux, on commence à relativiser cette chiffre fantastique des 70 000 logements. Et d'un côté, avec un travail sur la qualité de l'appartement, on peut réagir aussi indirectement sur la quantité. Alors, pour terminer, si on répond à nouveau à la question des 70 000 logements, c'est tout, même on pourrait dire peut-être que c'est trop si on les fait d'une manière différente, adaptée au mode de vie. Merci. Merci Béatrice, à la fois parce que ça renouvelle beaucoup les approches, c'est des choses qu'on commence à voir, mais vous l'avez développé dans tous les aspects. Et puis un merci particulier aussi, parce que Béatrice a une certaine aisance à s'exprimer, évidemment en espagnol, mais surtout en anglais, et qu'elle fait l'effort depuis qu'elle travaille avec nous pour s'exprimer en français. Et vous pouvez voir à quel point c'est désormais quasi parfait, quoi. Merci beaucoup. Donc le débat avec vous. On peut peut-être nous remettre de la lumière, et je crois que ce sont des choses qui interrogent nécessairement. Donc, on vous donne la parole, et je vois des personnes qui s'en vont. Est-ce qu'on peut faire passer un micro? Merci. Et bonsoir, Didier Klinkhammer, architecte. Il faut une première question pour lancer le débat. Je voulais m'adresser à Michel Attard, parce que, au-delà des problèmes de gouvernance que vous avez soulevés, qui mériteraient un débat important, un autre débat, pour faire écho à ce que disait Winnie Mas, vous êtes propriétaire d'un parc de logements, de bâtiments, de terrains, donc du foncier. Est-ce que vous avez pu évaluer les capacités que vous pouvez dégager en intervenant sur l'existant, par l'extension, par dédoublement, etc., sur le nombre de logements par rapport au parc existant, le potentiel que vous pouvez dégager? On commence par ça, parce que le foncier est tellement difficile à trouver qu'on a commencé par ça. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on pouvait imaginer. Comme vous savez, les grands ensembles ou les ensembles des années 60 ne sont pas très denses, et il y a moyen de construire, on a du cost résiduel, ce qu'on appelait le cost résiduel. On se heurte à des problèmes liés aux collectivités qui n'ont pas forcément envie qu'on densifie. Et on se heurte à nos propres locataires, qui n'ont pas du tout envie non plus qu'on densifie. Enfin, on a fait une extrêmement triste expérience sur la surélévation. Alors la surélévation en milieu occupé, moi je n'y crois plus du tout. Parce que tout le monde s'imagine, c'est très simple, on met des cubes en bois ou en structure légère, que ce soit en bois ou en métal, et puis on a résolu le problème, voilà. Sauf qu'il faut faire monter les fluides, il faut faire monter les ascenseurs. Comme nous, on ne commence jamais par des choses simples, on l'a fait au 13e étage. Et on a généré des infiltrations partout. On a deux étages en dessous qui ont été complètement inondés. Je pense qu'en milieu occupé, c'est une illusion. Et en tout cas, nous, on ne recommencera pas. Dans un bâtiment vide, on l'a fait aussi. On est aussi en train de le faire. On a aussi des difficultés, parce que les calculs de structure n'étaient pas bons. Bref, la surélévation, on a un petit peu de mal. Il y a des endroits où on densifie notre parc, où on rajoute certains bâtiments, où on rajoute des extensions, ça oui. Mais ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Je m'inscris dans la suite de ce qu'a dit Michel Attard, il y a le problème de l'incitation à construire. Je connais beaucoup de maires qui voudraient construire, mais là, la limite, c'est parce que dans le 70 000 logements, c'est tout. Dans le c'est tout, je pensais, moi, à tous les équipements qui doivent compléter, même les équipements de base, c'est-à-dire les écoles. Il y a beaucoup de communes, il y en a quand même quelques-unes, qui souhaitent construire, mais qui sont bloquées par la pénurie financière de ces finances locales-là. Et donc, je fais référence à ce qu'a dit
Monsieur Vieille et autres, c'est-à-dire le décalage. Parce qu'on est dans le paradoxe de communes qui ont du foncier mais qui n'ont pas les moyens de construire, pendant que d'autres ont beaucoup d'argent et ne construisent pas. Donc c'est la question de la prime aux maires bâtisseurs. Actuellement, nous annonce 100 millions d'euros, ce qui est quand même dérisoire. À pleine commune, on a fait le compte dans le cas du PLH, c'est 3 000 euros par logement. Donc c'est pas suffisant. Donc est-ce que vous pensez qu'une mesure plus incitative permettrait de, disons, de réduire certaines résistances, parce qu'il y a sans aller jusqu'à la demande bon, extrême qui serait le problème des PLU, mais au moins si on est dans un système incitatif, quel est le seuil à partir duquel, disons, je pense à Michel, à partir de quelle somme on fait basculer le décisionnaire? Moi, j'ai répondu partiellement. Je pense qu'il ne s'agit plus de sommes. Les 25% de logements sociaux, il y a des tas de maires qui préfèrent payer l'amende plutôt que de construire les logements sociaux. On augmente les amendes. Ils continuent dans la logique actuelle ou alors ils détournent en faisant des logements qui ne sont pas vraiment toujours sociaux. Moi, j'ai répondu en disant qu'il faut faire des éiennes. Et dans les paradoxes qui sont évoqués, j'étais hier dans une mairie d'arrondissement où le maire, à Paris, où le maire se battait avec le recteur pour éviter des fermetures de classe. On peut peut-être aussi faire bouger les classes. Il y a peut-être des endroits où on peut changer de politique d'attribution et changer les modes de faire pour que les familles viennent dans les endroits où il y a des écoles et où on est en train de fermer les classes. Bonjour, Laurence Allégret, architecte. J'étais très intéressée par cette présentation et je crois que j'ai vu... Enfin, il y a une question qui vient là, c'est la crise. Les gens sont au chômage, il n'y a pas d'argent, on n'a pas non plus de logement. Et jusqu'où... Alors, je vais saisir la présentation de Béatrice Ramon, qui est très intéressante et qui se retrouve dans les études qu'on essaie de faire faire aux étudiants dans les écoles également, sachant qu'effectivement, la demande des promoteurs aujourd'hui, ou en tout cas leur objectif de potentialité à innover dans le logement, on ne la sent pas pour le moment. Donc les plans qui ont été montrés également prouvent que tous les architectes en sont réduits à faire des plans assez uniformément banaux et difficiles à vivre. Il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, sous prétexte qu'on n'a pas d'argent, est-ce qu'il faudrait pour autant qu'on devienne otage des logements qu'on pourrait nous proposer via les innovations du type « j'ai pas d'argent, donc je vais accepter de partager mon séjour avec trois familles ». Je prends votre exemple alors qu'il est intéressant. Peut-être que je me trompe. Et en fin de compte, sous prétexte qu'on ne trouve pas de logement, bon, on va se serrer et on peut revenir à des conditions d'habitabilité qui pourraient, c'est une question, hein, devenir aussi insupportable parce qu'on ne peut pas se loger correctement. Or, l'idée de la cohabitation pour énormément de gens, des personnes âgées, des personnes solitaires, des étudiants, c'est très intéressant. Mais à un moment donné, la limite est où? C'était une question que je me posais. Et la deuxième, juste toute simple, mais pas pour faire débat, c'est qu'on demande aux architectes d'innover, de se présenter, de réfléchir sur des nouveaux... système d'habiter, de faire des économies. On nous demande de faire preuve d'une haute technicité pour répondre à toutes ces normes de développement durable, sans penser que le développement durable, c'est déjà vivre bien et s'entendre bien avec son voisin avant de passer à des problèmes techniques. Et on nous demande également de répondre à 5,5% d'honoraires pour toute la maîtrise d'œuvre. À un moment donné, je ne sais plus qui doit innover ou comment peut-on innover. C'est tout. Mais je ne veux pas que ce sujet-là fasse débat, en revanche. Merci de votre intervention. Moi, je vais me permettre de répondre quelque chose qui va peut-être vous paraître légèrement décalé, mais qui, en même temps, va redire aussi que, pour cette année, une partie de nos réflexions s'inscrivent dans cette idée de rendez-vous de la métropole et du climat. Pourquoi je refais cette boucle ? Le rendez-vous de la métropole et du climat, c'est-à-dire en fait comment dans le fait urbain constitué aujourd'hui
on met en place des stratégies d'adaptation au dérèglement climatique, demande des réponses dans un premier temps, surtout très hétérogènes. À partir de là, je prends souvent pour illustrer une image de ces bandes dessinées que vous connaissez tous de Philippe Géluc, le chat qui est devant une addition et il dit il y a une seule bonne réponse, il y a une infinité de mauvaises, et il dit c'est bien la preuve que c'est pas quand on est les plus nombreux qu'on a raison, pas toujours en tout cas. Bon, reprenons la même image dans l'autre sens. Face à une crise, il faut aussi qu'on se sorte de l'idée qu'il y a une seule bonne réponse. Donc, la question n'est pas de dire que tout le monde va être obligé d'avoir une seule salle de séjour pour 3 familles, mais que certains peuvent trouver là une solution, d'autres vont aller la chercher ailleurs, dans de la maison individuelle avec beaucoup de surface, d'autres vont nous demander de construire et de continuer à construire ce que fait Michel Attard, des logements sociaux en accentuant cette recherche à la fois de qualité, de quantité et d'accessibilité financière des logements. Ce qu'il nous faut construire aujourd'hui, c'est une famille, c'est une multitude de réponses avec des solutions très diversifiées les unes par rapport aux autres. Et je pense que effectivement, ce que propose Béatrice s'inscrit là-dedans. Ce que propose MVRDV et le très beau film que nous a montré Michel Rodissa aussi assez clairement, c'est-à-dire que toutes ces solutions, et parfois même certaines qui sont mauvaises, doivent nous aider à fabriquer une réponse face à un avenir incertain. La cohabitation, il est clair qu'elle on cohabite parce qu'on est dans des moments souvent de transition. Il est très rare que la cohabitation dure très longtemps. Ce qui est frappant, c'est aujourd'hui la cohabitation, par exemple, de personnes âgées, qui est de plus en plus banale. C'est aussi le fait que des institutions construisent des logements pour cohabitants. Ça, c'est très nouveau. C'est d'ailleurs, la loi Allure le permet, la loi Moll avant, enfin, ça fait 2 ans, 3 ans que ça existe. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est l'institutionnalisation d'un phénomène qui était tout à fait de gré à gré, hein, qui était bricolé, dans un système maintenant qui est organisé pour ça. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, ce n'est qu'une des solutions. Mais surtout, les motivations des cohabitants sont extrêmement différentes. Elles vont de la crise très très dure à un choix militant. Et donc, en fait, il y a toutes sortes de types de cohabitation, mais c'est vrai que c'est encore un phénomène tout à fait marginal. Et l'idée n'est pas qu'on soit 25 à partager la même salle de bain. Ça, c'est clair. Hein, ça ne sera jamais accepté. Les solutions qu'on a vues se mettre en place sont des solutions où justement la question de l'intimité est centrale, où on doit faire très très attention au partage des biens communs et où le respect joue un rôle fondamental. Donc des situations très complexes qui ne sont pas aussi simples que ça par rapport à l'évolution de la société et de nos manières de vivre. Merci. Non, mais c'était juste un peu provocateur, parce que justement, tous les plans qui ont été montrés étaient très intéressants et très réfléchis. Mais à un moment donné, il y a peut-être une limite, c'est tout, parce que c'est effectivement dans cette direction qu'on doit travailler tous dans le partage et revenir sous prétexte aussi de la crise, mais sous prétexte parce que je pense que nos modes de vie évoluent. Donc, c'est une belle illustration, là. Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Mireille Ferry et auquel j'adhère. L'enjeu aujourd'hui, c'est justement de faire du prêt-à-porter. C'est du prêt-à-porter, mais qui soit individualisé. Donc, pas cher, industriel, assez efficace, mais qui permette d'offrir une gamme extrêmement large. Et on voit, Monique disait, je vois beaucoup... Oh là là.
excusez-moi. Monique disait, je vois beaucoup de cuisines qui sont refermées. On ne sait plus quoi faire sur les cuisines. On ne sait plus quoi faire parce qu'il y en a qui les referment, il y en a qui les ouvrent. Et finalement, on ne connaît pas les usagers avant de mettre en service les logements, sauf dans l'habitat participatif, et j'y reviendrai. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate grosso modo, sans que ma statistique soit fiable, c'est que c'est 50-50, 50% de cuisine ouverte, 50% de cuisine fermée, il y a tout. Et sur la cohabitation, c'est à peu près pareil, parce que moi je veux bien qu'on parle de la loi Arlure, mais j'ai coutume de dire que la cohabitation, elle commence avec des gens qui ne sont pas mariés simplement. Un couple, il cohabite. Et on fait ça depuis longtemps, de faire cohabiter des couples non mariés. Donc il n'y avait pas besoin de la loi Allure pour permettre à un couple de cohabiter. Et il faut bien aussi que un certain nombre d'espaces soient réservés aux uns et aux autres. Le couple, il accepte en général de partager la salle de bain et d'avoir les deux brosses à dents dans le même verre. Quand on a demandé à des personnes âgées, parce qu'on s'est engagé sur un programme comme ça, des personnes âgées qui étaient en suroccupation, vous aviez raison de dire que c'est un foncier latent, la sous-occupation. Le problème, c'est que c'est extrêmement complexe et que quand vous adressez à des personnes qui auront plus de 70 ou plus de 75 ans et que vous leur dites, écoutez, votre loyer va baisser au mètre carré, etc., toutes les dispositions de la loi Boutin, vous allez prendre un T2 à la place du T5 dans lequel vous êtes, ces gens-là, on a l'impression parfois qu'on va les tuer. Ils ont leurs meubles, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs petits-enfants qui viennent, ils ont un certain nombre de choses auxquelles on aspire tous, parce que moi je vis pas dans un deux pièces et mes enfants sont partis, donc ils ont les mêmes aspirations que les autres et ils ont pas du tout envie de partir. Donc on peut choisir la coercition ou bien on peut choisir de proposer des alternatives. Et les alternatives, ça avait été justement de proposer un jeune qui vient et qui cohabite avec la personne âgée, qui en échange lui fait quelques courses, etc. etc. Mais il n'y a pas une personne âgée qui a accepté. Dans notre patrimoine, il n'y en a pas une qui a accepté parce qu'ils n'ont pas envie de partager le verre à dents dans la salle de bain. Ça marche dans les maisons individuelles. Je sais que dans les patrimoines qui sont constitués de maisons individuelles, là, on peut individualiser une entrée, on peut faire une petite salle de bain, etc. Et c'est possible. En appartement, c'est extrêmement compliqué. Alors, sur les espaces partagés, les gens n'ont pas envie de partager leur salle de bain, ils n'ont pas envie de partager, a fortiori, leur salle de séjour, pour ce que j'en connais, et ils n'ont surtout pas envie de partager tout ce qui est le traitement du linge. Là, il suffit de lire Kaufmann pour savoir que le linge, c'est compliqué, même dans un couple. On ne met pas la layette avec les chaussettes de monsieur. Donc, a fortiori, avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ce qui marche très bien, moi, ce que j'ai vu très, très bien marcher, c'est les concepts, en tout cas pour les personnes âgées non dépendantes, de béguinage, où il y a effectivement chacun à son logement, avec son séjour, sa chambre et sa salle de bain et sa cuisine, et il y a une maison qui est dédiée à une hôtesse qui gère l'ensemble, qui vérifie que tout le monde a ouvert ses fenêtres le matin, qui organise des activités, qui emmène telle et telle personne qui ne conduit plus ou qui n'a jamais conduit chez le médecin, chez le pharmacien, faire des courses, etc. Ça marche très très bien. Est-ce qu'il serait possible, par exemple, d'imaginer que vous instauriez promoteur d'une opération de T2? Moi, je ne suis pas promoteur, non, mais monsieur, et je n'ai pas envie d'être promoteur. Essayons d'imaginer autre chose. Parce que les personnes âgées qui refusent de quitter leur T5, je comprends, et je comprends très bien le mécanisme, et on n'y peut rien, et ça fait des années qu'on entend ça, etc. Bon, imaginez que vous soyez promoteur, et vous construisiez une opération de T2 en béguinage, et que vous proposiez à vos locataires de T5 de libérer leur locatif social et de se rendre acquéreur à petit prix d'un T2 en béguinage. Ça, c'est imaginable, par exemple? Je peux leur proposer de se rendre locataire d'un T2 en béguinage. Ils ne peuvent pas acheter. Il y a énormément, il y a de plus en plus d'offices qui vendent leur patrimoine. On peut imaginer que vous,
que les statues évoluent. Enfin, je veux dire, on peut imaginer que les statues évoluent et que les rôles évoluent, vous voyez, c'est ça. Ils vendent leur patrimoine, encore faut-il avoir un patrimoine de béguinage pour le vendre. Si non, j'en mais ai vous pas. Vous construisez. Je construis, mais je leur vends. Vous n'êtes plus seulement un office de logements sociaux, vous êtes aussi promoteur de logements. Imaginons. Je suis promoteur de logements. Ces gens-là ne peuvent pas accéder. Je suis désolée, ils ne peuvent pas accéder. Bon, alors, pas les moyens. Bon, alors je viens d'un béguinage. Je suis allée il y a 3 semaines dans un béguinage à Moult, dans le Calvados, où il n'y a même pas de train. On est venu me chercher pour que j'y aille. C'était très intéressant. Les habitants et habitantes, hein, il y avait quand même des couples, parce qu'il n'y a pas que des dames toutes seules. Se plaignaient du manque d'équipement. Et là, effectivement, c'est très, très important comme phénomène. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour certains, l'arrivée dans ce béguinage de logement social est une accession à un art de vivre qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Ça, c'est très intéressant, parce qu'une personne m'a dit, quand je suis arrivée là, j'ai eu l'impression que j'arrivais dans un village de vacances. Mais pour d'autres, c'est une dégringolade sociale, parce qu'ils sont passés d'une très grande maison à 2 ou 3 pièces, et c'est une sorte de vision d'une vieillesse un peu triste par rapport à ce qu'ils possédaient auparavant. Donc on a tous les modèles, mais en même temps, c'est vrai qu'il est très intéressant d'avoir... que tu dis sur la maîtresse de maison, hein, comment vous l'appelez ? Maîtresse de maison. Oui, maîtresse de maison. La maîtresse de maison, c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, le vrai problème aujourd'hui pour ces personnes âgées, c'est non seulement la solitude, mais là ça se débrouille pas mal, hein, mais c'est les courses, c'est le transport, c'est l'accès aux soins, l'accès à la pharmacie, l'accès au plaisir aussi, hein, au loisir. Alors, en fait, ce qui est frappant aussi, c'est que je me suis aperçue qu'il y avait une mixité qui se mettait en place, c'est-à-dire des gens qui ne se seraient jamais rencontrés dans d'autres circonstances et qui, très très lointains en termes de classe sociale, se mettaient à se créer une relation d'amitié. Et ce qui était assez drôle, c'est que les couples, on voit très très bien que les femmes et les hommes des couples sont extrêmement heureux de sortir de ce couple-là, c'est-à-dire de lier des amitiés, or c'est pour ne pas être toujours dans ce face-à-face apparemment difficile d'un couple assez âgé. Donc en fait, c'est aussi un lieu de mixité, et moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, voilà. Merci pour cet éclairage. Une dernière intervention, Béatrice. Ensuite, comme on s'approche de 21h, et il nous restera à vous proposer peut-être d'aller vous rafraîchir avant de rentrer chez vous. Et puis, je vous donnerai aussi le prochain rendez-vous au mois d'avril, ici, sur un sujet qui est quasiment le même. Béatrice. Micro. Oui, pour revenir à les commentaires précédents, un chiffre, simplement dire que les 25% de les colocations aujourd'hui ne sont pas à cause de raisons économiques ou pratiques, c'est volontaire. C'est des personnes qui ne vont pas habiter en solitude et qui préfèrent volontairement habiter en colocation. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un pourcentage plus grand de la population qui ont compris que le fait de partager rendra accessible beaucoup plus de services et plutôt que d'être propriétaire de ces services. Et il y a une partie de la population qui préfère plutôt partager qu'habiter dans un appartement tout minimum. Je pense qu'il faut, comme Mireille a dit, donner les deux options aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la bonne solution pour tout le monde. En tout cas, la mentalité de la jeune, ce n'est pas comme dans les années 50, où la propriété c'était un symbole de status. Aujourd'hui, la jeune, il est prêt à partager un vélo, il est prêt à partager une voiture, et de faire des coworking, etc. Alors, des typologies comme la co-résidence, simplement, essaye d'extrapoler tous ces principes, tous ces avantages à l'échelle de l'appartement. Et moi, je vous invite à regarder un projet à Zurich. Dans le cadre du séminaire, on avait Andreas Hofer qui l'a présenté, le cofondateur. Ça s'appelle Kraftwerk 1.
Et c'est un projet, c'est une coopérative de 200 logements qui on met en place des appartements type co-résidence avec différents degrés de partage, des chambres petites qui partagent absolument tout à des appartements qui simplement partagent une cuisine. Et ça marche extrêmement bien, permet beaucoup de services à personnes de revenus assez bas. Et bon, c'est une autre façon aussi aujourd'hui de répondre à les besoins de logement. Et simplement pour réagir à la question du sous-peuplement, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'appartements aujourd'hui où les personnes âgées habitent toutes seules dans un T5. Ma grand-mère habite dans un T5 toute seule depuis 25 années. Et c'est vrai que les personnes âgées n'aiment pas déménager. Ils sont attachés à son appartement, à son quartier. Mais je suis certaine que si les appartements pourraient offrir la possibilité de que ces personnes gardent les pièces qu'ils utilisent quotidiennement, parce que la moitié ne l'utilise pas du tout, et pouvoir se détacher de l'autre pièce et les louer indépendamment à un étudiant, et par contre à gagner un revenu très avantageux à la retraite, je pense que c'est une possibilité que beaucoup de monde serait prêt à faire, parce qu'il ne s'agit pas de déménager, mais de détacher. Alors c'est là qu'on a trouvé un potentiel assez grand d'exploration.